Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire le bilan solde hiver 2024. Donc voilà, donc pendant 2 jours, j'ai fait les soldes. Donc j'ai fait le solde le mardi chez Micromania. Et le mercredi, donc le jour même où je tourne cette vidéo, les soldes à Mont Leclerc près de chez moi. Et j'ai quand même récupéré des petites choses sympathiques pour ces soldes. Car en tout, j'ai récupéré tout ceci pendant les soldes, en fait. Et franchement, je suis plutôt content. Alors, pour vous dire tout de suite le prix, sous les 2 jours, j'ai payé un total de 177 €, hein, pour tous les jeux que j'ai pris. Hein. Et là-dedans, on a un total pour 8 jeux. Alors, 8 jeux pour 177 €, oui, ça fait comme une certaine somme. Mais il y a des jeux qui m'ont coûté quand même un certain prix, d'autour des 30 € pour certains. Donc vous allez très vite le comprendre. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc les jeux que j'ai pu trouver chez Micromania donc la veille. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le short, j'ai fait un short justement pour mes trouvailles que j'ai fait chez Micromania pendant les soldes. Mais je vais quand même vous les montrer à travers cette vidéo. Alors du coup, je m'étais trouvé chez Micromania le Tactics Ogre Reborn à 35 €. Alors oui, celui-ci n'était pas il n'était pas soldé. J'ai trouvé comme ça d'occasion à 35 €. Et comme ça, vu que je recherchais de base sur ma collection, bah, j'ai pas hésité à le prendre. Très content de l'avoir. Comme deuxième jeu de Nintendo Switch, j'ai pu me prendre le Octopath Traveler 2. Alors il était à 30 €. Alors malheureusement, ce qui était chiant, c'est qu'il était déjà déblisté en fait ce jeu. Donc voilà. Donc c'est juste ça qui était un peu chiant. Mais bon, après, c'est un jeu qui était de base soldé à 30 €. Il est à 30 € de toute façon. Mais c'est un jeu que je voulais comme tester tôt ou tard sur le Nintendo Switch et pas le laisser sous blister. Donc voilà. Donc c'est pas trop grave, même si c'est quand même un peu chiant. Mais bon. En tout cas, je suis quand même content d'avoir de Octopath Traveler 2. Et comme dernier jeu que j'ai pu trouver chez Micromania, c'était le Dead Space Remake sur la Xbox Series X pour seulement 20 €. Ça par contre, ça fait super plaisir d'avoir seulement 20 €. Je trouve ça juste dommage qu'ils n'ont pas soldé la version PS5. Mais bon, peut-être que la version PS5 c'est mieux vendu que la Series X. Donc pour ça qu'ils ont peut-être plus soldé la version Series X que la PS5. Mais bon, en tout cas, très content d'avoir dans la collection ce Dead Space. Et maintenant, on va passer au jeu que j'ai trouvé au Leclerc près de chez moi. Donc j'ai un total de 3 jeux Switch, un jeu Xbox One et un jeu PS5. Alors oui, pour ces soldes, j'ai presque rien trouvé en jeu PS5 qui m'intéressait personnellement. Ou alors des jeux PS5 qui étaient peut-être un peu trop chers à mon goût. Donc on verra pendant les soldes été 2024 s'il y aura plus de choses sympathiques pour la PS5. Mais je sais qu'il y a eu certains jeux PS5 qui étaient proposés en solde pour vraiment qui étaient vraiment sympathiques, notamment chez Micromania. Parce que là, justement, en parlant de Micromania, il y a des jeux qui étaient proposés en solde, mais qu'ils n'avaient pas au Micromania que j'ai pu faire hier. Il y avait le Blasphemous 2 qui était proposé, je crois, à 20 €. Malheureusement, ils n'en avaient plus au Micromania près de chez moi. Après, je suis allé le mardi ou du lundi, et si j'étais allé lundi, peut-être que j'aurais pu en trouver, quoi. Donc, il y avait comme dit le Blasphemous qui aurait pu m'intéresser, le 2. Hein. Il y avait aussi le Double Dragon Gaiden qui était proposé à seulement 15 balles chez Micromania. Ça, j'aurais bien voulu le récupérer, mais bon, je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Et le Remnant 2 qui était proposé à 25 € sur la PS5. Il y avait quand même certains jeux qui auraient pu m'intéresser, mais bon, ils n'avaient plus dans le Micromania près de chez moi. Alors après, j'aurais pu le travailler les commander sur Internet, mais bon, je ne voulais pas m'emmerder à commander sur Internet. Moi, je préférais aller vraiment en magasin même, prendre les jeux, quoi. Et donc, comme dit, c'est le jeu, et puis on verra si ces jeux, je les trouverai en solde de Micromania peut-être pendant les soldes d'été 2024, ou alors on verra si entre-temps, je les prendrai entre-temps dans l'année, quoi. Mais bon, voilà, ça c'était un petit aparté. Hein. Et donc, ouais, en ce qui concerne le Leclerc, j'aurais pu prendre plus de jeux, mais dans ce lot, il y a 2 jeux qui m'ont quand même coûté 30 € chacun, et je pense que si ces jeux-là, qui avaient été encore plus bas en termes de prix... J'aurais pu prendre d'autres jeux parce qu'il y avait un Shin Megami 5 à seulement 15 €. J'ai pas pris parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas forcément de base. Après, si ça m'avait coûté moins cher les jeux de base que j'avais pris, j'aurais pu le prendre. Il y avait aussi des Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillant à proposer 15 €. J'ai hésité aussi à les prendre même si je les avais déjà. Pour pouvoir les présenter lors d'un concours. Malheureusement, le budget était un petit peu serré. J'ai déjà dépensé la 100aine d'euros quand j'ai acheté les jeux
au Leclerc et je voulais pas non plus mettre plus d'argent en tout cas parce que j'ai d'autres dépenses de mon côté et il faut que je fasse attention comme niveau budget quoi. Mais bon, on verra peut-être qu'un jour je pourrais, si je trouve pendant les soldes d'été ou alors des petits jeux vraiment pour pas trop cher, je peux essayer de vous en prendre pour un petit concours pour les 1000 abonnés ou je sais pas, on verra bien quoi. Donc mais j'ai hésité, c'était comme 15 euros chaque et franchement ça aurait été intéressant personnellement. Et sinon, il y avait aussi un Guilty Gear proposé à seulement 10 euros. Mais je ne l'ai pas pris parce que ce n'est pas un jeu de combat qui m'intéresse également. Voilà. Il y avait aussi les JoJo Bizarre qui étaient sur PS5, PS4 et Switch qui étaient proposés, je crois, entre 10 ou 15 euros en solde. Et ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont fans de ce genre d'animé, même si c'est un jeu de combat. Moi, je ne l'ai pas pris en combat parce que ce n'est pas un jeu de combat qui m'intéresse. Moi, je suis plus les jeux que j'aime plus les jeux de combat classiques du type Street Fighter, Tekken, etc., quoi. Les jeux de combat comme ça, un peu de niche, comme Guilty Gear ou JoJo Bizarre, tout ça. C'est pas les jeux de combat qui vont m'intéresser, même s'ils étaient attractifs au niveau prix, qui était plutôt intéressant. C'est pour ça que aussi pendant les soldes, moi je me prends vraiment que des jeux qui m'intéressent pour ma collection. Je prends pas comme certaines personnes qui vont revendre après derrière, qui vont prendre plusieurs exemplaires, qui vont prendre plein de jeux, même si c'est un jeu qui coûte cher de base, qui est en promo, je vais pas le prendre juste parce que il est pas cher. Moi je prends vraiment les jeux qui m'intéressent vraiment, que j'ai vraiment envie d'avoir quoi. Donc voilà, c'était vraiment la petite aparté encore une fois. Donc voilà, pour ce que je vais vous présenter, donc j'ai commencé par le jeu Xbox One et le jeu PS5. Alors le jeu Xbox One que j'ai pris, c'était le Ori. Voilà, c'était le seul qu'ils avaient au Bon Leclerc. Il était proposé à 12 euros. Donc franchement, je suis très content. Alors je sais qu'il est sorti sur Nintendo Switch aussi, les Ori. Mais je voulais le prendre quand même parce que ça fait un moment qu'il traînait, j'ai vu qu'il est dans le Leclerc. Et là, à 12 euros, franchement, ça fait quand même plaisir. Donc franchement, ça mange pas de pain, comme on dit. Très content pour ce jeu. Ensuite, pour le seul jeu PS5 que j'ai pu trouver pour un seul, donc c'est quand même un petit jeu quand même qui est assez sympathique. C'est du Wonder Boy, The Dragon's Trap. Voilà, donc celui-ci était proposé à 15 euros. Donc il était moitié moins cher. Donc franchement, c'est le seul jeu PS5 qui m'a intéressé pour ce qu'il proposait. Il y avait aussi des Deathloop proposés à 10 euros. Mais après ce que j'ai vu en retour et en gameplay sur Deathloop, ça m'a pas plus intéressé ça, le Deathloop. Si le jeu m'aurait intéressé, j'aurais peut-être pris le Deathloop aussi sur la PS5. Mais vu qu'il me tente pas vraiment le Deathloop, je l'ai pas pris. Même s'il était proposé à seulement 10 euros, quoi. Donc voilà, 15 euros celui-ci. Je suis très content, le petit Wonder Boy. Très bon jeu une très bonne série de jeux de plateforme qui existe depuis très longtemps parce que le premier était sorti sur la Master System, je vous rappelle. Franchement, très content d'avoir celui-ci. Donc, bien sûr, le plus intéressant, ça reste sur la Nintendo Switch. Alors, pour commencer, j'ai pris le Chocobo GP qui était proposé là à 15 euros, 40 euros. Franchement, ça fait plaisir. Je sais que l'année dernière, il est proposé beaucoup de Chocobo dans plein de magasins de chez vous. GP, moi, ils n'avaient pas proposé dans le magasin près de chez moi. Et là, cette année, ils ont proposé, ils ont encore baissé le prix, c'est Chocobo. Et donc, franchement, là, c'est l'occasion de le prendre, le Chocobo GP. Donc, qui est en fait un Mario Kart-like, en fait, avec les personnages de l'univers de Final Fantasy, en fait. Je ne sais pas ce qu'il vaut en vrai, ce jeu Chocobo GP. Mais comme j'aime bien les jeux de course type Mario Kart, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Et comme celui-ci était proposé à seulement 15 euros, ça fait quand même plaisir, quoi. De la Switch à 15 euros seulement, en neuf. Ensuite, le deuxième jeu. Alors là, les deux derniers jeux, c'est des jeux que j'ai payé 30 euros chacun. Mais c'est des jeux, je voulais quand même les prendre. Et même si c'était à 30 euros, c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils les baissent au moins à 20 ou à 15 euros, franchement, parce que ça aurait été pas de refus. Mais bon, je voulais quand même les prendre. Donc, le premier jeu à 30 euros, c'était le Bayonetta 3. Alors, celui-ci, je sais qu'année dernière, il était proposé pas mal en solde l'année dernière dans le magasin. Je sais que certains ont pu les récupérer à 15 euros ou à 20 euros les Bayonetta. Et là, bon, là, il était à 30 euros. Bon, voilà, c'était quand même 30 euros. Mais franchement, des jeux Switch à 30 euros comme ça, des gros jeux comme ça fait quand même plaisir. Donc, Bayonetta 3, très content de l'avoir. Je le testerai, à voir ce qu'il vaut. Et le deuxième jeu, c'est le Xenoblade Chronicles 3. Alors celui-ci, pareil, je sais qu'il était proposé en solde l'année dernière dans beaucoup de magasins de chez vous. Voilà, bon,
C'est vrai que, contrairement à d'autres qui étaient aussi pareils à 20 euros, vous pouvez trouver, je crois, c'était à 20 euros pour certains. Voilà, il était à 30 euros également, hein, ce Xenoblade Chronicles 3. Et comme j'avais déjà le 2 sur la Switch, bah, je voulais me dire, voilà, je vais quand même prendre le Xenoblade Chronicles 3. Hein. Après ça, j'aurais pas pu les prendre et attendre qu'ils baissent encore plus de prix les jeux-là. Et j'aurais pu prendre d'autres jeux qui auraient pu m'intéresser, c'est vrai. Ou alors prendre des jeux comme les Pokémon à 15 euros que j'ai cités juste avant, que j'aurais pu très bien plus prendre pour vous aussi pour un concours, etc. Mais voilà, je voulais quand même ce Xenoblade Chronicles 3, même si c'était à 30 euros. Donc voilà, les amis, donc c'est tout ce que j'ai pu trouver à travers ces soldes bah, de jeux vidéo hiver 2024. Et ben voilà, comme dit, ben on peut voir que c'est surtout la Switch que j'ai pu récupérer les quelques jeux, quoi, le plus de jeux. Mais voilà, je suis quand même très content de ces achats-là. Même si j'avais voulu récupérer d'autres jeux que j'ai pas pu trouver qui étaient proposés en solde. Et puis comme dit, bon ben voilà, on verra par la suite. Donc juste pour revenir aussi avec les Pokémon que j'ai pu trouver à 15 euros, peut-être que si je les trouve pour pas cher ou dès que je me prends quelque part les prochains jours, les prochaines semaines. Peut-être que si je peux peut-être en prendre un à la rigueur les prochains temps. À la rigueur, peut-être, si déjà je pense que ce week-end, je vais peut-être aller de nouveau au Leclerc. Et si jamais ils ont encore des Pokémon proposés à 15 euros, je vais peut-être vous en prendre un pour la collection. Mais bon, ça, vous verrez bien. Je vous tiendrai déjà au courant si jamais il y a du changement de ce côté-là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire à travers les commentaires ce que vous avez pensé de ces soldes hiver 2024. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à même dire aussi si de votre côté vous avez trouvé des belles choses. Donc j'espère que de votre côté vous avez trouvé aussi votre bonheur, vous avez fait des affaires dans vos magasins près de chez vous pendant ces soldes. Donc voilà, bah, ceci dit, je vous laisse là-dessus. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Mettez un max de pouces bleus, ça fera super plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine!